comme ça et le son. Voilà. Et coucou tout le monde. Bienvenue sur Tanaisie. Coucou Calypso. Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, on va aller voir la porcherie. Indispensable. Évidemment. Évidemment. Si je mettais la musique, hein? Hop là! Allez, c'est parti. Oh, ça fait plaisir, il fait beau sur Tanaisie. Et il fait beau en vrai. Oh, incroyable. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'apprécie qu'il fasse bon en vrai. Mais oui. Voilà. On a vraiment un intérêt de s'arrêter ici. Coucou Extra et recoucou mon clampin. Comment ça va? Est-ce que vous avez bien mangé? Oh, mais regardez-moi ça. Ça va être des petits cochons heureux. Hein, vous êtes heureux? Alors, les cochons, racontez-moi. Bon, arrête de lui sentir les fesses. Ah, c'est vraiment... Vous êtes vraiment des cochons. Ah, voilà, des bisous dans la figure. C'est mieux. Ils ont des drôles de mœurs, hein, quand même. Alors, ils sont bien, là. Ils sont très bien installés. Merci, Calypso. T'as rien. J'avais pas fait attention aux petites lampes. Ouais, elles sont sympas. Bah, Tiki torche. Disons que ça permet de pas avoir les torches habituelles de Minecraft, quoi. Bah ça oui. change un peu. Ouais. C'est le même principe, hein. Sauf que voilà, c'est Bah, juste c'est parce quand que même ça plus sympa. utilise le mode, mais c'est sympa. C'est J'aime quand bien. même sympa. Alors, on Voilà. va quand même. Oui, ça ferme. Je veux les petits abris, c'est mieux. Ouais. C'est dommage que les barrières se lient pas avec les. Et ça, je peux pas faire grand chose. Bon, pas grave. Vache qui se balade. Alors, moi je vais les regarder pour le long de la voie. Oui. Continuer l'aménagement. Oui. Sûr. Évidemment. La mouton, ils sont là. Les vaches, ils sont où? Elles se Il y en a, cachent? il y en avait que trois. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup des vaches. Faut qu'on les reproduise parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ah oui, Elles ont d'accord, disparu. elles sont côté, côté rivière. Je me disais, bah, elles sont où? Je les voyais pas. Voilà. Et coucou Bruce! Comment ça va? Bah, tu vois, aujourd'hui c'est du Minecraft. Voilà. Bon. Alors, du coup ici, ça sera des petites maisons de ce côté-là. Et là, on va faire un immeuble. Waouh! Ouais, on va faire un immeuble ici. Bon, bah, allez, hein, on va aller chercher ce qu'il faut. On va faire du béton. Ouais. On va commencer à bétonner. Chouette. On est assez avancé dans notre aventure maintenant, on bétonne. Voilà. Ah, c'est sympa. Ça amène vraiment de la vie d'avoir fait tous ces petits aménagements comme ça. D'accord. Hey, coucou Kara, comment tu vas? Bien petit Bonjour déjeuner. Kara. Ah, j'ai regardé Kara, au fait, si on veut convoyer toutes les deux, c'est pareil, il va falloir qu'on ait les modes, les mêmes modes, quoi. Mais du coup, moi j'ai un autre profil que je pourrais utiliser à la limite. Tu me dis les modes que tu as. Et voilà.
Et je mets les mêmes. Ça devrait aller. Alors par contre, moi j'ai pas pro mode. Hein. Je suis pas prête encore. Parce que je vais pas te faire enlever. Enfin, je sais pas si t'as un autre profil de TS. À la limite, je t'envoie mes listes de mode comme tu veux. Il faudra qu'on en reparle sérieusement. Alors, du béton. Pour faire du béton, il vous faut du sable. Hop. Et du gravier. Le gravier, il est là. Hop. Attends. Colorant. On fait un immeuble de quelle couleur, Calypso? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme couleur? Est-ce que du néon, ce serait trop vif? Est-ce que tu veux quelque chose de plus neutre? Non, pas forcément. De toute façon, avec du béton, on sera dans quelque chose de vif. Hein. Oui. Oui, Kara. Alors, le problème, c'est si tu repars sur un nouveau profil, il va falloir que tu conduises un petit peu, histoire d'avoir un camion. Bien à toi. Sinon, on ne pourra pas convoyer. Bah, je t'enverrai la liste de mes modes. Et puis comme ça, tu me diras comment tu préfères qu'on roule toutes les deux. Sans mode ou avec les modes. Donc, je sais pas. Quelle couleur faire. Il y a le marron aussi. Tout marron, ça va faire beaucoup de marron. Et si on mélangeait du marron et du jaune? Oh non, ça va peut-être... Oui, ça va faire abeille, hein. Oui, c'est ça. Bon, ben non. Non, ça va pas. Quelle couleur on pourrait mettre avec le marron qui pourrait matcher? Ah, après, rond, si on fait... Non, mais après, si on fait le béton marron, oui. Beaucoup d'éléments peuvent être en bois, dans un bois, ben, plus clair, du coup. Le hook, ça peut passer, hein. Allez, on va partir sur le marron. On a pas des masses, hein. On a des cacao. Il y a du cacao, il y a une plantation de... Enfin, j'en ai mis qu'une seule pour l'instant, mais on pourra en mettre plus pour avoir plus de récolte. C'est dans le jardin, je suppose. Oui, il suffit de prendre la poudre d'eau, et puis... Ok. J'ai déjà aller chercher ce qu'il y a. J'ai dû passer 15 fois. Ah ouais, je le vois. Ah bah pas trop bien quand même, hein. Ça reste rigolo. Je vais prendre des cubes de laine violette. Enfin, des cubes, remarque. Oui, sur Minecraft, des cubes. Je sais pas, parce que je pourrais prendre d'autres. Hein. Je sais pas. Bon, bref. Oui. Et je vais déterminer l'emplacement des petites maisons le long de la voie. Et tu me diras si ça te convient ou si ça te convient pas. Au niveau de la taille, de... Bah déjà, moi, je te montre là où je pense oui, mettre l'immeuble. Commencer l'immeuble. Et avant, ce sera effectivement... D'Aptop Mason. Ok. Ouais. Bah, je t'enverrai la liste de mode après le live, Kara, de toute façon. Comme ça, on verra. Péter ton live, ça serait quand même plus facile. Oh, t'es pas obligé, hein. Oui, mais enfin. Pour voir ce que tu fais, c'est plus simple. Bah, je suis à côté de toi. Ah bon? Bah, je suis derrière toi, quoi.
Ok. Ah, tu vas à pied? Oui, Robert, tu oui, me diras, bah. c'est plus simple. Là, pour s'arrêter, oui, ça va être plus Ah, il simple, faut qu'on oui. fasse un arrêt au milieu alors. Bah, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un arrêt au milieu. Avec une petite gare? Oh. Elles sont folles, elles font des gares de partout. Oui, bah oui. Hein. Écoutez. Ah mais zut, allez, désolé, non. Oups, Sinon, voilà. tu peux ouvrir les barrières. Ah, oui. Hé Bah, c'est plus facile, effectivement. Bah, moi, tu vois, je pense faire les immeubles à partir d'ici, là. Voilà, ici. Alors, à partir du pont, en fait. Ouais, c'est D'accord. ça. Ok. Enfin, du pont. Oui, Comme enfin, du ça, les tunnel. petites Enfin, maisons bref. devant les animaux. D'accord. Ok. Là. Ok. D'accord. Très bien. Voilà, Alors, madame. jardin devant, maison devant. On fait quoi? Là, le Bah contraire. Qu'est-ce qu'on fait? jardin devant les voies plutôt. Jardin devant les voies? D'accord. Ouais. Bah oui. Bon, après, tu peux en faire une avec le jardin. Oui, Enfin, on j'en sais peut. rien. Souvent, les petites maisons de gare, c'est aussi des maisons de côte-côte, tu sais. Oui, c'est ça. En fait, je me disais Donc, tu peux qu'on dire, ça bah, y pourrait a une être. maison, elle va avoir son jardin en L. En L autour Ouais. d'elle, celle d'à côté juste derrière, et celle de l'autre côté en L, mais dans l'autre sens, par exemple. Ouais. Bah, après, voilà, je vais te laisser faire, mais. Parce que Non, mais je. c'est pour avoir une idée de. Oui. Parce que, en fait, je me disais faire ou les maisons devant, toutes mitoyennes, tu vois, un ensemble de maisons comme des maisons d'ouvriers, en fait, toutes mitoyennes le long de la voie, avec des jardins tout en longueur derrière. Bon, ça fait un peu, évidemment, très. Oui, On peut bah faire oui, plus mais. fantaisiste, puisque nous, enfin, c'est pas la réalité, donc on s'en fout, mais effectivement. Je me demande si je peux en faire au moins deux mitoyennes avec les jardins devant et puis un petit peu une qu'on pourrait en fait on pourrait dire qu'elles ont été abattues, en faire une espèce de un peu plus moderne au milieu avec un jardin plutôt derrière et de nouveau deux avec le jardin devant et mitoyennes. Ça peut être rigolo. Ah, je vais Ouais, voir, je vais essayer. tout à Je vais fait. essayer ça. Béton, ah, c'est pas grave. Alors pour l'instant, je mets juste des repères de ce que je veux faire et après j'irai chercher les matériaux quand je me serai décidée. D'accord. Je vais pas mouiller le béton parce que je trouve quand même que c'est quand même plus joli en poudre. Ouais, moi aussi. Hein, rien à faire. Hein. Et moi aussi. Sauf que sinon, c'est. Bon, bien sûr, le béton, c'est lisse, mais. Oui, mais enfin, les immeubles, ils sont quand même, ils sont pas forcément très lisses, quoi. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Est-ce que ça dit ça? Ouais, un petit immeuble comme ça. Comme ça. Ouais. Ah bah enfin c'est bon, il fallait qu'il y ait un arbre dans mon chemin. Hein? Voilà. Pelleté. Où elle m'appelle? Bah, de toute façon, les arbres, vous allez sauter. Hein. Commencez pas à vous faire des idées, hein, Non, non. sur. Ne rêvez pas. À la fin de la journée, vous ne serez plus là. Qu'est-ce que c'est bien la mousse hein, pour faire les carpettes, c'est quand même vachement plus joli Ah, oh, oui, hein. que les tapis verts. Hein. Ça.
Moi, j'en use et j'en abuse. Non, mais on va les déménager, Bruce, t'inquiète pas. Je les démonte là et puis on les mettra ailleurs. Ils sont contents. Rien ne se perd, rien ne se crée, ça marche aussi dans Minecraft. Hein. Oui, bonjour monsieur. Un petit coup de poêle, allez, c'est parti. Ah, oh, t'es pas costaud toi, dis donc. Non, mais laisse The Piggy Bot se reposer un petit peu. Elle a eu un week-end éprouvant. Petit zozo qui chante, ça beau. Hop, c'est parfait. On va pas forcément faire un immeuble très grand ici. On va y aller en douceur. Ouais. Au début, t'as des petits immeubles de 3 étages. Voilà, ça chante. Hein. Seul printemps dans le jeu. Trop bien. N'empêche que moi, dans mon jardin, j'ai vu des violettes. C'est vrai? Ouais. Je suis sortie, c'est quand? Bah, c'est hier, je suis sortie ramasser du romarin pour mon lapin. Bah, j'ai vu des violettes. Je fais oh. On est sauvés, les violettes arrivent. Se faire d'autres maisons encore jusqu'à l'immeuble. Je pense qu'il y aura la route ici. Hein. Ça va nous gêner un petit peu. Ah oui, mais non. Ah. Tu vas pas pouvoir. Oui. Eh bien, nous allons faire autrement. Je pense qu'il faudrait faire. Tu veux faire une route pour aller jusqu'aux maisons? Non. Bah, oui, il y aura un chemin pour aller jusqu'aux maisons, mais là, je vais faire une route devant. Tu auras un accès ici. D'accord. Ok. Tac. Du coup. J'allais dire, sinon, il va falloir passer derrière, à mon avis, la route là. Ah, là, j'ai tombé. Ça va être compliqué sinon. Est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai... Je n'ai pas. Je réfléchis. On va aller mouiller un peu de béton quand même. Il y a pas d'en faire ici aussi. Hein. Donc, je vais commencer par celle-ci. Oui, commence. Pour laquelle j'ai des idées. Et après, on verra. Déjà, c'était pas le commencement. C'est ça. La pioche, elle est là.
normalement, je peux faire des escaliers en béton. Hein. Tout à fait. Les bottes, oui. Ça permet de le faire. Ça, c'est chouette. Ouais. Dexter. Non, comme ça. Ouais, bon, on va faire les 8. Très bien. Oui, bottle pink. Il a plein de choses à dire. Je peux gaspiller mes fraises. Des escaliers en béton, hein. Pourquoi ils nous mettent pas ça dans le jeu, hein, hein. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas logique ce que je suis en train de faire. Je me suis aperçu que j'avais pas mis le bon tuto. Quel tuto ? Ah bah. Bon tuto. Ah. Béton. Ouais. Ça marche moins bien. Non, il y a. Concrete, c'est quoi? C'est du ciment? C'est du oui, ciment, c'est le béton, ouais. C'est du béton. Mmh. Parce que dans Bloc Plus, t'as un orange. Un orange sacrément pétaradant. T'as plein de blocs dedans, là. Mmh, il est pas mal. Ah, bah avec Bloc Plus, ouais, ça en ajoute pas mal. Hein. Alors, voilà. Alors, du coup. Comme ça. Donc la forêt, on a dit au revoir. Je suis désolée. Il n'y a pas les rajouts de mode. Ok. Bon, mais moi je suis comme je te dis, hein, je suis pas encore prête à un promode. Oula. Un jour? Oui. Oh, bah après, ça risque de tout planter, tu vas tout perdre. C'est non, c'est surtout que je veux bien profiter du jeu comme ça. Bon, moi j'ai juste quelques modes, rien de bien méchant. Oh non, je stresse pas. Oulala. Oulala, Kara. T'inquiète pas, moi je stresse pas. Bon, bah au sol, on va mettre du béton gris, non? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a les comme ça qui sont pas mal. Ça, c'est de la terracotta.
Il craie, il est trop rosé. Light blue. Light blue, bah il me faut du colorant. Et puis la terracotta, bah, il y en a au chantier de l'hôpital. C'est vrai. Je disais, tiens, c'est bizarre dans le drawer, il n'y a pas beaucoup de terracotta. C'est normal. C'est normal. Il faut réfléchir des fois avant de poser. Bon, d'accord. Je m'étais posée dans ma tête, mais. On fait ce qu'on peut, hein. Ah, bah oui. On a des oublis comme ça. Tiens, en fait, Cara, mes gamins se sont levés. On était en train de manger avec mon mari. Alors hier soir, mon fils s'était fait cuire. Il s'était fait comme une tartiflette, tu vois, mais vite fait à la poêle. Donc, il y a midi, enfin, quand il s'est levé, direct, il a mangé ce qu'il lui restait d'hier. Et ma fille, elle, c'était des pâtes avec du gruyère. C'est curieux comme petit déjeuner. Hein. Alors, ma fille, elle me fait oui, c'est bizarre comme petit déjeuner. Comme je lui ai dit, je lui dis déjà, t'es pas obligé de te lever à midi. Et puis, je t'ai pas forcé à manger des pâtes, hein. Ah, la gosse. Il se lève à midi passé, il râle. Enfin, elle râle. Alors, j'ai dit du bleu clair. Oh, il y en a tout plein. Puis la terracotta, ben, on va aller à l'hôpital la chercher. Ce qui fait dodo. Bonne nuit. Ah ben bonjour. Laisse 2 minutes, je reviens. Y a pas de problème. Hop. Petit déj. Ouais, non, mais moi je peux manger n'importe quoi au petit déj du moment que c'est salé. Hein. Du jambon, de la pizza, ce que tu veux. Mais bon, ce qui m'a fait rire, c'est la gamine qui râlait. Oh, pote, c'est bizarre au petit-déj. Bah, personne t'oblige, hein. C'est qu'on l'a laissé la terracotta. Tiens d'ailleurs, pendant que j'y suis. Hop, hop. Ça comme ça. Voilà. Terracotta. J'ai plus beaucoup de place, moi, madame. Hein. Le bazar, c'est blindé. Et là, Clampin, il doit bien rigoler de voir le bazar dans mon sac à dos. Hein. Enfin, moi, j'ai qu'un seul sac à dos. Hein. Continuez, ouais. Hop. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui s'affichent sur le chat. Je vous remercie.
Hop, hop, hop. Reviens. Attends. Ben oui. Alors attends, parce que si on veut faire une gare, on va la mettre où? Ah ouais, c'est ça, on est bien gentil, ouais, on va faire une gare, mais où? Là? J'ai pris qu'un seul rail, hein, tellement je suis cruche. Merci beaucoup, Kara. Mais merci. Hop. Bon, enfin, j'en mets un autre. Ok, alors. La terracotta. Pourquoi j'ai des pousses ici? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, pourquoi j'ai des pousses ici? Là? Voilà. Heureux. Je peux pas tout faire. Donc, je vais vider les briques. Paf. Ok, on fait comme ça. Faire le coin des boîtes aux lettres. Réfléchissement. Pourquoi ça s'est divisé ça? Qui m'a fait la division de steak? Clampin. D'accord. Ce sac à dos. C'est un bon sac à dos. Non mais dis donc. Faire ça comme ça. Hop. Hop. Là, c'est l'entrée pour la cave. On est d'accord? On est d'accord. Touc, touc. Voilà. Et là, bah, c'est le palier de l'entrée du derrière.
niveau en dessous, ça fait pas très haut, mais... Ah, si pour la cave, c'est pas besoin que ce soit très haut de plafond. Hein. Ouais, j'en ai déjà plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, sinon, le chat, qu'est-ce qu'il a mangé ce midi, hein? Toi, Calypso, qu'as-tu mangé ce midi? On a mangé des raviolis. Des raviolis à la crème. Des raviolis achetés... enfin, après quoi, on peut en 3 minutes là. Ouais. Le repas après les courses. Le repas J'ai rapide. Pas le temps de faire à manger. Bah oui, c'est vrai que bah, tu sais, moi je fais pareil quand on fait les courses. Je rentre des courses, faut qu'elle reparte après bosser. Donc bah, du coup, voilà. Et le repas. C'est pareil, hein, en général, on prend quelque chose de vite fait. Voilà. Par exemple, Marie, je lui fais bien prendre. J'aime bien le samedi matin, comme il fait le marché, lui faire prendre quelque chose de rapide. Quoi. Et on a décidé ce samedi que chez le boucher, c'était la semaine du gâteau de foie. Ah. Et mon mari, ça lui fait envie. Et ça fait des années que ça lui fait envie et que je dis non parce que, en fait, quand j'étais petite, on allait chez une personne assez régulièrement qui faisait toujours le fameux pâté de foie. Avec les quenelles à la tomate. Donc. T'as été écœurée. Maintenant, t'as plus envie. Donc, j'avais plus du tout envie. Puis là, j'ai dit, écoute, vas-y, prends-en quand même pour nous deux. Parce que les gosses, tu leur parles pas pâté de foie. Hein. C'est un gâteau de foie, c'est pas possible. Hein. Alors, mon clampin, j'ai mangé des pâtes au poulet et épices. Dont la date de péremption était hier. Oui, bah, ça va, un jour, ton paquet était pas ouvert, ça risque rien. Et coucou avec les cartoons. Non, ça va. Un jour, de toute façon, tu le sens tout de suite si c'est pas bon. Quoi qu'avec les épices, ça peut être bien camouflé. Hein. Mais bon. Bon, j'ai plus de ça, là. Plus assez, du moins. Alors... On va se mettre un escalier quand même. Par là. Comment vas-tu avec les cartoons? Oh, écoute, Clampin, ça arrive. Hein. C'est pas grave. Le principal, c'est que tu y aies mangé. C'est ça là. Là, on va faire un peu plus haut parce que oui, non, mais un jour ça va. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'avais pas pris en compte le repas gratuit d'hier, peut-être? D'accord. Qu'est-ce que j'en ai fait? Angie, enlève la peau de sauce que t'as devant les yeux, ça ira mieux, tu verras.
Ok, Badapic. Toujours aussi sympathique. Demandez-toi. Le toit inférieur, le toit en terre cuite, le toit raide, le toit, le lower top roof, le steep top roof. Ça m'énerve, j'arrive jamais à me décider. C'est pas énorme. Grognonneuse, grognonneux. Mais non, mais celui-là, c'est trop bas en fait, ça va pas du tout. Ça. Alors. Ah! J'ai tombé! Bah oui, si je regarde pas où je mets les pieds aussi. Oui, c'est fort ennuyeux. Voilà, laissez pas. Je vais recommencer. Ouais, je mets le plancher avant que les murs soient finis. Ça tient tout seul. Magie Minecraft. Magie. Magie, magie. Ça. Merde, je m'ai trompé. Oh, stupide idiote. Bon, on va faire autrement. Hop, hop, hop. Trompé. Je me suis trompé dans les dalles. J'ai pas fait attention. C'est pas bave. C'est pas moche, hein. Finalement, des fois, c'est bien de se tromper. Ah, mais c'est pas vrai. Adji. Tu tiens pas tout. Oui, bah on a vu que j'étais maladroite, ça va, ne rajoute pas, Botepic. Franchement, je suis maltraitée par mon bot. Il n'a aucune empathie. Non, franchement. Mais je fais n'importe quoi en plus. Hop. Mais non, oh. Voilà. Non, celui-là. Voilà, je vais y arriver. Thank you.
petits oiseaux qui font quand même des drôles de bruit. Hein. Ça roucoule beaucoup. Voilà. Bon, bah, il faut aller faire du cacao, hein, y a pas le choix. J'en ai deux là. Allez. Zoupi. Hein? Que dis-tu? Ouais, mais mon toit là. Oh, est-ce que c'est très grave? Non. Non, non, mais. Tu voulais pas qu'il soit raide? Non, c'est pas ça, c'est. Je voudrais que ça soit moins. Parce que là. Ah, faut pas que je fasse d'avancée au toit, parce que là, si tu veux, ça fait vraiment. Je peux pas remettre un bloc, quoi. Et ça fait vraiment. Pas joli, quoi. Ou alors, faudrait que je mette autre chose comme avancée. Une autre forme de toit. Mais c'est une autre forme de toit. Oui, c'est ça, faut faire du test. Hein. On va aller chercher de la poudre de nonos. Hop là. Ah, j'ai une nez qui me chatouille. C'est parti. Ça va s'adapter, mais on va essayer. Alors, le cacao, il est en face. Droit dessus, ça ne marche pas. La hache. Hop, hop. Là, ensuite, on replante. Petite bulle que je fais en permanence là. La carte, il est là. Hop. Bim. Alors, c'est parti. On transforme ça.
Excusez-moi. Voilà. C'est comme ça. Bah en vrai, j'ai plus beaucoup de terracotta non plus. Hein. Je suis en train de me fatiguer. Non, mais je me fatigue là. J'ai fait de la terracotta alors c'est du béton marron qu'il faut que je fasse. Waouh! L'embrouille. Bon, ça pas bave. Aïe. Bon, c'est pas grave. T'as vu juste le petit. Le petit. Truc d'Ike Cartoon là, son petit renard qui fait un prout. Oui. Là. Oui. J'ai envie de le voir. Toujours très rapide. Qu'est-ce que j'ai foutu comme bordel? Hop. Voilà. Alors. Il va y avoir des fenêtres aussi ici quand même, non? Une là de fenêtre. Et puis là. Forcément. Hein. Je réchiffle. Zombie qui est là. Bonjour monsieur, je vous vois pas encore mais je vous entends. Pas bien malin, hein. Il suffirait que tu montes l'étage, tu pourrais m'attraper, enfin essayer de m'attraper. Peut-être finir par y penser. Ouais. Je suggère des idées là. Ben oui. Je pense pas. Je vais me marrer parce que je vais mettre les fenêtres et tout va se casser la gueule. Faudrait peut-être que j'y pense. Alors attends, j'arrive à mettre ma poêle. Coucou. T'es où? Ah t'es là. Mais pire quoi, mais bleu. Non mais. Quoi? J'en ai déjà. Oh. Qui a fait ça? Les qui a osé? Qui mes blocs, non mais oh. Moi ça va pas bien. Là. C'est un petit dodo, hein. Ça ira mieux. Tu brûles. Attention. Me laisser réfléchir, ouais. C'est déjà pas facile, là, la réflexion. J'avais pas de sur moi, disons, en plus. Non, là-bas. Non, c'est là-bas. On a du verre à l'hôpital. Normalement, il doit en rester pas mal, non?
peut-être pas. Du béton vert ? Non, du verre. Oh, bah. Du verre en verre. Oh, oui, je pense. Enfin, je... Je sais pas si on restait, en fait. Il y a beaucoup de projets, et en fait, du coup... Ouais, je vais aller regarder. Hein. C'est le meilleur des moyens. Le matériel qui reste, j'avoue. Oui, bah non, bah attends, tu peux pas te rappeler, c'est normal. Non, mais je vais aller regarder. Je me fatigue pas trop, ça va, j'y vais en train. Je peux faire cet effort. Il y a toute la terracotta ou pas encore? De la terracotta, il en reste encore, hein. À l'hôpital? Ouais. D'accord. Pas forcément beaucoup, mais il doit en rester, attends, je vais te dire. Il doit rester. Voilà, je vais en avoir besoin. Pour le coup, j'ai choisi de faire le toit en terracotta sion, ouais. Qui fait en fait un terracotta grise. Oui, hein, ça fait plus bon. Gris que... Me posez pas pourquoi, me dites pas pour me demander pas pourquoi, j'ai pas d'explication, mais c'est comme ça. Mais ça correspondait à la couleur que je voulais, donc c'est bon. Ben voilà, bah écoute. Ah oui, il y en a bien de la terracotta, oula, ouais. Ah oui, ah bah, très bien. Bon bah, je vais venir faire un petit tour. Je vais prendre le verre qu'il y a. Attends, je vais me vider d'abord parce que sinon, je vais jamais la place de prendre la terracotta. Ah, attends, là c'est du verre, c'est le sac à verre. C'est le violet à verre. Non, pas ça. Et là, ouais, non, là, c'est vraiment la déco. Voilà. Je vais chercher de la quoique... Hop. Qu'est-ce que j'ai comme porte? Yep. Ah bah ça, c'est très bien. Si j'avais pu en avoir une autre. Hop. Allez. Bah ça c'est pas mal. Bah là. Je sais pas. Ah, excusez-moi. Ah non, j'ai raté la marche. T'as fait, t'as fait pouf disparition devant moi. Hein. T'as tous vu tomber. Ah oui. Là, c'était. Alors. Ça, voilà. Puis. Hop. Oh là, il y a des gens là-dedans. Des gens qui se croient tout permis ici. Oh, on va s'amuser. Coucou. Ah oui. Oula. C'est la fête à la cave. Oh, bah c'est fiesta party là. T'es bien. Ah ouais. Oh la vache. Donc. Mais enfin. Alors les creepers, c'est pas grave. Ouf. Ah non, il va péter. Merde. Saloperie de squelette. Ah, fais pas péter tous les creepers, hein. Oh, elle a fait un trou. Ah oui. Oh. Ah oui, il a fait un trou. Ah oui, il a fait un trou, le monsieur. Oh. C'est pas bien. Oh là 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 là. Bon, je suis désolée, mais tu ne vas pas pouvoir rester là, monsieur. Non. Au revoir. Hein? Ah non, pas Robert. Robert qui arrive. Ah, Robert qui arrive. Je l'ai vu. Je passe sous le tunnel et t'as Robert au-dessus du tunnel, tu sais. C'est pas possible, quoi. La Robert qui se pointe. Attention, on va doubler les gars, la Robert. Ah, là là ah là je là peux là la dire plutôt orange, j'en ai pas besoin.
22 larbert. Excuse-moi, Robert, mais là, c'est pas le moment, hein, franchement. Franchement, hein. Ah oui, ceci, c'est bien. Hein? Excusez-moi, hein, mais non. Pas les lamas, quoi. Pas les lamas. Oh, une tête de lama. Oh, bah, ça va faire de la déco, hein. Robert, tu gênes. Vraiment, hein. Tu veux mourir? Oh, d'accord. Voilà. Méchant monsieur, bah, il est mort à coup de poil, et puis voilà. Mais oui, pas sympa le squelette, quoi. Il a fait péter les creepers. Hein. Ici, pareil. Hein. C'est fermé. Comme ça, ils pourront plus rentrer. Et puis voilà. Ça non, ah bah non, alors oui, là je peux pas non plus. Comment je vais paramétrons. Quoi que la cave, est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir un nom? Ça. Voilà. Le problème. C'est que ça va m'embêter. Voilà, voilà. C'est bon. Ok. Des panels plutôt. Bon, c'est un immeuble plutôt moderne, hein. Donc, Oui. Si on va monter en vitre, il faut que je refasse. M'appelle.
Comme ça, je suis sûre d'être tranquille. Voilà. Peut-être une fenêtre ici. Ici, on peut faire un genre de conciergerie. Et des poubelles, si vous y pensez. Les poubelles, comme ça. Je pense plutôt derrière. En bas, ouais, vers la cave. Ouais. Je pense. Ça, du coup, là, petite fenêtre quand même. Ok, Bruce, bah des bisous, merci d'être passé. En tous les cas, il y a tout à l'heure, si tu peux repasser, c'est avec plaisir. Bisous. C'est pas bon. Mais oui, mais non. Trépidiate. C'est soit pas beau en bas, soit pas beau en haut. Je vais décider de m'agacer. Déjà et du marron j'en ai plus non plus, c'est pas possible, c'est catastrophique tout ça. Non, concierge, je vais pas lui faire une porte comme ça. Bon, allez donc. Les cas là. Oh, c'est à moi tout ça. Mes blocs, mes précieux blocs. Faut que je mange des fraises, moi. Absolument. Sauf que j'ai pas faim. Dodo. Voilà. La tête de lama, on va la mettre à l'entrée. Faites attention, ici, on coupe les têtes. Hop là! Alors,
décidément. Ouais, je vais reprendre du gravier, du sable. Qu'est-ce que je pose? Je vais poser ça. Déjà, hop. Ça, je pense pas que je m'en servirai. Ah, j'ai tout envoyé dans les drawers. Mais quelle idiote. Bon, on recommence. Alors, l'île d'Aspen, c'est cela. Hop. C'est pas grave, hein. Je reviendrai. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oui. La cave et puis le concierge. Cet appartement, on verra. Et puis bah, c'est le cacao hein, qu'il me faut. On va retourner au potager. Oups. Oui, bien sûr. Tu peux poser des torches sur les lanternes. C'est cool. Hop, hop, voilà. Voilà. Hop. Comme ça. Gravier pareil. Oh, j'en ai pas autant de gravier. Faire tout de suite. Ah, j'en ai plus. Ça, ça pousse. Mmh.
Coucou. Alors, j'avais pris les portes comme ça. Très bien. Et ça, j'en ai pas du tout. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Et je peux pas les changer, je parie. Non, je ne peux pas. Ah, quelle misère! Eh bien, tant pis pour moi, je ferai ça après. Je vais pas retourner tout de suite. La porte. Alors, ça, c'est pas très très beau. Hein. Après, c'est une cave alors. Chiffrissement. Est-ce que c'est rien du tout? Ça, j'en ai plus, il faut que j'en fasse. Le béton, j'en ai pas. Je vais en refaire. Qu'est-ce qu'il y a, Black Pink? Pourquoi tu me dis dis donc? Sois aimable. Je vais en faire 8. Et coucou anonyme. Comment vas-tu? Ça va? Je
suis très concentrée sur les bêtises que je fais. Torche, ça fait jamais de mal, hein. Allez. Des escaliers, pas en pomme, non, bien en béton. Oups. Tac. Et tac. J'ai fait combien là? J'ai fait 2,5. La 3. Ah non, ça fera 2,5 aussi. Hein. Ok. Tu as une façon beaucoup plus automatisée. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'automatiser. Ça me va bien comme ça. Je sais hein, qu'il y a d'autres méthodes pour le faire. Mais... ouais. Hop. Rajouter des fenêtres quand même. Mon verre est tellement transparent que je le vois vraiment pas. Je peux en mettre un peu là. Hop, hop. Là. Si c'est... ah non, c'est pas bon. Hop. C'est bon.
Hop, déjà. On va refaire du marron. Pas fait de porte non plus. Je vais les faire en dark oak. Hop là. Ça fait 2, 3. Ouais, donc faut bien que j'en fasse un. Tac et tac. Oh bah il manque un verre là. De communiquer avec le concierge du dessous, c'est plutôt sympa. Ouais. Sinon, j'aurais pu mettre du verre, mais bon. Non. Ça va se voir de l'extérieur, je veux pas que ça se voie. Ah bah, faudra mettre des rideaux, hein, c'est sûr, là. Dans les immeubles, il n'y a pas de rideaux. Hein. Bah là, les gens, il va falloir qu'ils mettent des rideaux à leurs fenêtres, hein, sinon on va voir tout ce qu'ils font chez eux. Hein. Ah oui. Oui. Souvent, ils ont des volets roulants, non ? Des volets qui descendent. Bah, tu peux mettre des rideaux chez toi quand même. Ok. Alors, tu veux toujours que je mette des rideaux dans le sleeper et là, tu veux pas ? C'est vrai, hein ? C'est bizarre quand même. Oui, c'est bah oui, bah écoute, voilà. Bah oui, je suis bizarre. C'est comme ça. Ah là là. Ah. Là, c'est l'allée, c'est pas grave, mais vous dans les appartements. Voilà. Il n'y a que celui-là en fait. L'autre, il n'y a pas des fenêtres comme ça. Non, l'autre, non. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut de la terracotta. Il me faut surtout du bleu clair. Je n'en ai plus. Et j'ai tout pris. Bon, on va aller en faire, ça, ça c'est pas bien méchant à faire. On va changer de chemin, on va passer par là. On va faire un pont aussi. Ah ouais, on entend de la lave ici. C'est un lac de lave par là en dessous.
passe par là. Alors, allons faire du bleu clair pour la terracotta. C'est facile. Hop. 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 Voilà, comme ça j'ai tout plein de bleu clair. Bon, j'ai plus de terracotta par contre, faut que je retourne en chercher. Je vais prendre un sac à dos et je vais aller chercher la terracotta. Je vais la mettre dans un sac à dos et je vais la ramener. Il y a déjà un sac à dos plein de terracotta, je crois, non? Ou alors c'est un coffre, je sais plus. Des doubles coffres. Oui, il y a des doubles coffres, mais je sais qu'il y a un sac à dos aussi. Je sais pas si c'est. Oh, je sais plus. Je sais que j'ai vu un truc plein de terracotta, mais je sais pas si c'était le sac à dos ou le coffre. Bah, j'en ai pris dans le sac à dos, mais du coup, j'ai tout utilisé. Donc, ce qui reste, c'est maintenant, c'est dans la double coffre. D'accord. Attends, je vais chercher un sac à dos. Je vais faire un upgrade et puis. Hop, hop. Yézou! Non, continue. Ne t'arrête pas là. L'hôpital, c'est après. Allez, on se traîne. Voilà. Ah oui, c'était pas le sac à dos, effectivement. Yo, voilà. J'ai peut-être exagéré. Hein. C'est jamais. Descend juste après. Hop. Reviens. Voilà. Hop. Là. Allez. Alors il me faut de là comme ça.
là comme ça. Hop. Ça et celui-là. Juste de prendre un sac d'or sans en faire exprès en fait. J'ai appuyé trop fort sur le truc. Voilà, d'accord. Ça fait beaucoup de bruit mais pour pas grand chose en fait. Attention, ça marque pas la même chose. Nous on n'entend rien. Ah d'accord, je croyais. Ah, bah non, donc, on est juste au moment où. Merde, qu'est-ce que je fais? On est loin de toi, donc. D'accord. Hop. Voilà. Hop. Ouais, non. Fallait pas, là. Ouais. Fallait pas que je fasse ça, enfin. Hé, hey, mon bloc! Hop. C'est vrai que je suis un chat, que je peux sauter, hein. Hop. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est? Oh, Geyser, merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue au raideur. Comment vas-tu, Geyser? Bienvenue tout le monde. Merci pour le suivi. Bienvenue, Floco. Ça s'est bien passé, ton live? Bon, attends, je suis perdu là. Bienvenue, merci pour le suivi. Ouais, ça va, tranquille. C'est vrai que je suis assez concentrée parce que je suis en train de build. Et quand je build, moi j'ai du mal à faire autre chose encore pour l'instant. Voilà, voilà. Mais je vais m'y habituer, hein. On va y arriver. Voilà, là je suis en train d'aménager le long de la voie ferrée. Donc Calypso fait des petites maisons. Côté campagne, quoi. Et moi, là, je commence à faire un immeuble. Pour l'instant, ça va être un petit immeuble voilà, de 3 étages. Et puis après, bah, ça va être des grands immeubles. Voilà. Donc là, bah, tu sais, on est sur mon serveur modé. C'est bon, Calypso? Tu t'en sors? Je voulais essayer de gratter le sac à dos, mais oui. J'ai déjà oublié comment on faisait, alors... Eh ben, tu as JEI. Les... Oui, non, mais ça, j'y suis, j'ai fait le grade tier 3. Ouais. Mais en fait, quand je le mets dans le sac à dos, ça grandit pas le parce chargement que... du sac à dos. Non, parce que tu as fait l'upgrade des stacks.
pas du sac à dos. Pour upgrader ton sac à dos, il faut entourer ton sac à dos de blocs. Alors si tu veux le passer niveau or, et ben c'est des blocs d'or. Bienvenue, merci pour le suivi, Tofu. Bon, bah écoute, alors, ce upgrade-là, pour l'instant, je vais le laisser dans un truc. Quelqu'un d'autre s'en servira. Voilà. Là, c'est intéressant, le stack. C'est quoi? C'est le tiers combien, du coup, or? Voilà, non, j'ai pris le carrément diamant. Stack, tiers 3... stack, upgrade, tiers 3. D'accord. Bah écoute... Si tu veux bien me l'amener, je le prends. Ouais. Je te le ramène, pas de problème. Je suis en pas plus, compte. Je l'ai fait au début de la partie, puisque j'ai. Oui, bah on l'a tous fait, mais ça fait un petit moment. Hein. Mais ça fait un petit moment, et du coup, j'ai oublié. Voilà. On a oublié. J'ai oublié. Bon. Tu veux. Ah, écoute. C'est pas grave. Au final, ça va servir quand même. Ouais, il faut que je le vide, hein, c'est ça, parce que sinon ça risque de. Parce que de perdre. Ouais, quand tu fais les upgrades comme ça, ouais. Vide bien. Enlève les upgrades que t'as dedans, enfin. Ouais, enfin, je ne fais rien. Je suis juste allé prendre un sac à dos chez. Alien. Voilà. Pour l'upgrader pour qu'on puisse avoir un sac à dos supplémentaire, parce que. Ouais. Voilà, c'est utile. Voilà. Oui. Bah, faut dire que là. Oui, voilà. Tout ce qu'on fait, on en passe. Hein. Bon. Et encore, moi, tu vois, je suis pleine de. Bonjour, Tofu! Je suis pleine de bordel hein, dans mon sac à dos. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à Clampin qu'il devait bien rigoler. Mais ouais, j'ai encore toutes les feuilles de déco. Bah, c'est surtout que j'ai coupé des arbres aussi. Bah, oui, en plus. Puis toi, voilà. J'arrête pas. Ça y est. Et bah, voilà. Eh bah non. Ouais, faudra que. Je l'ai fait au début du jeu et je suis pas fichu de le refaire à la moitié. Enfin. Ah, ça m'énerve. Bah non, ça va aller. Si j'arrête là. Si j'arrête là, ça veut dire qu'il n'y a point d'autre escalier. S'il n'y a point d'autre escalier, on peut faire des appartements grands. Eh ouais. Eh ouais, on va faire comme ça. Et j'ai les choses correctement. Merci. Voilà, voilà. Hop. Bon. Hop, hop, hop. Voilà. Ah. Donc là, c'est comme ça. C'est infernal, je vois pas du tout mon verre tellement qu'il est transparent. Vert, t'en as beaucoup du verre ou pas? Il faut que j'en ramène. Oh non, non, parce c'est que bon. En avoir besoin. T'en as besoin? J'en ai encore. Mm-hmm. J'en ai encore. Normalement, tu devrais en avoir assez, je pense. Tout ce que j'ai. D'accord. J'ai plus d'un stack. D'accord. J'ai quasiment. Deux... Ouais, j'ai plus de deux stacks même sur moi. Oh, en plus, je vais faire des. Je vais pas mettre des fenêtres pleines. Alors, quoi. C'est le problème avec les sacs à dos, ça fait encore plus de bordel à ranger. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est surtout que là, on a fait pas mal de déco dans la zone hôpital. Du coup, on est plein de bazar. En fait, là, on s'est servi des sacs à dos comme de coffres pour le. Comme de shulker. Comme de coffres, tout simplement. Comme de shulker ou comme de coffres. Quand tu fais la construction, tu te déplaces avec tes shulkers ou tes coffres que tu poses et qui après, de toute façon, il faudra aussi que tu ranges. Et tu vas pas laisser sur ta construction. Donc en fait, oui, c'est ça, oui. Oui. Mais par contre, les sacs à dos, j'y vois le gros avantage, c'est quand tu pars en expédition, ouais, tu pars génial. Avec pas mal de choses et tu peux revenir avec pas mal de choses. Ah, mais oui. Plus que avec des coffres ou des shulkers, quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Non. Alors attends. Donc, je viens t'amener le sac, le grade, et je vais aller chercher à remplir le sac à dos de. Pourquoi j'ai fait ça? T'es où? Je suis sur mon immeuble. Oh, c'est joli. Je descends. De toute façon, là, hop, j'arrive. Coucou. Voilà. Alors, tiens.
Upgrade. Alors, ouais, et moi en échange, je vais te donner du verre. D'accord. Alors, je te donne déjà un stack, je t'en redonnerai si t'en veux. Non, un 5 euros, vu la taille des vides que je fais, ça devrait aller, je pense. Oh ouais, ok. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je fais pas des. Là, je suis pas des... de la maison moderne, donc ça va être des petites vitres. Hein. D'accord. Des petites, Oublie pas que si tu veux faire des petites fenêtres, tu sais, avec plein de petits carreaux, oui. T'as les trappes d'or. Ah oui. Qui rendent bien pour faire ça. Ah oui, c'est vrai. T'as plusieurs trappes d'or qui sont vitrées. T'as la jacaranda, mais t'en as d'autres aussi. Je vais regarder. Du coup, tu n'utilises même pas de verre en plus quand tu fais ça. Là, tu vois, là, il y a un sac à dos qui est plein de feuillage. Ouais. Et qu'il faudrait ranger, mais là, je suis même pas sûre qu'on ait la place de ranger. Bah, oui, j'ai plein de feuillage sur moi, mais quand je vais attaquer la déco autour des habitations. C'est ça? Je vais faire encore des armes custom, donc. Bah oui, voilà. J'en passe pas mal quand même. Oh. Donc du coup, là ça va pas, c'est pas beau ça. Ceci est pas beau, madame. Donc contrairement au coffre, les sacs à dos se déplacent plus facilement. Oui. Parce que du coup, tout se vide pas, quoi. C'est ça. Et quand même, assez confortable. Parce que là, tu vois, je vais récupérer un double coffre de terre cuite. Ouais. Je vais tout éclater par terre et il va falloir tout ramasser. Voilà. Ouais. Bon, après, dans un vanilla normal, c'est ce qu'on fait. Et puis, on sent des patouilles comme ça, quand même. Hein. Bah oui, mais tu prends goût au modé. J'avoue. Mais on peut toujours revenir en arrière. C'est pas quand on s'est joué, qu'on a envie de jouer, qu'on a envie de faire des choses, qu'on se donne des buts. Alors là, par contre, on retrouve forcément. C'est tout lui qui a les vitrages comme ça. J'en ai pas ici. Hein. Non, là, ici, il n'y a pas de fenêtre. Je vais pas en rajouter. Bah, il est beau au shulker, mais ça contient plus que les shulkers, là, quand tu les upgrades, pour le coup. Alors, ça, par contre, c'est pas beau, G. C'est caca ce que t'as fait, G. C'est caca. Oui, alors c'est caca. On n'aime pas quand c'est caca. Ah non, c'était là. Voilà. On va faire au même endroit, c'est plus simple. Ouais, tu confirmes mon clampin, on prend goût au sac à dos. Hein. Ah là là. D'ailleurs, mon clampin, est-ce que tu veux bien essayer la commande saut pour Geezer, du coup? Parce qu'à la base, je l'ai fait pour ça. Est-ce que ça te dérange pas? On va voir si ça fonctionne bien, parce que je l'ai essayé hors live, mais bon. Ici. Ok. Donc, je pose le sac à dos avec la terracotta. Entre ta construction et. D'accord. Mes morceaux de laine violets. Ok. Y a pas de problème. Ça, si t'as besoin de terracotta, tu peux en avoir. Et moi aussi. Et on n'a pas besoin de retourner à l'hôpital à chaque fois. Ah bah. Non. Je le reprends. C'est très occupé. Malin. Oui, sauf que j'ai oublié de... Non. Ah. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit l'orthographe exacte? Je n'en ai aucune idée. J'imagine que oui. Ah, il faut passer grande vitesse.
Ok, là ça fonctionne. Hop. Là, encore ça. Ok. Je l'ai mis au bon endroit. Pourquoi j'ai un doute? Non, ça a l'air bon. Il est trop transparent, mon verre. Hein. C'est infernal. C'est bien. Bah là, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Hein. Ça fait pauvre. Que je dois en avoir par là, théoriquement. Oui. Mon bloc! C'est honteux. C'était mon bloc. Je vais descendre, hein. Je vais récupérer. Hop. Est-ce qu'on a là? On n'a pas là. D'accord. Alors, vous inquiétez pas. Quand je saute, je ne me fais pas mal. Je suis un chat. Et allez, c'est la pluie, chouette, ça faisait longtemps. Oui, hein? Ça faisait longtemps, oui. On a vu quelques temps de répit, mais là, bah non. C'est fini, c'est fini. Bon, le répit est fini. Est-ce qu'il me reste des portes? Il me reste une, faut que je refasse. Tac. Hop, voilà. Chouette. Obligé de faire le double de portes dont j'ai besoin, mais bon. C'est comme ça. Non, 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 j'en ai plus, j'ai plus de cacao. Oh, oh, oh. Bon, on va aller chercher des cacao. J'ai plus de poudre de snow. Si tu le ramenais à côté de toi, ça t'éviterait de faire le chemin, tu le ramènerais après. J'ai bientôt fini, là, j'ai quasiment fini. Tu vois. Bon, bon. Ouf. Ah, ça me fait faire un peu de sport. C'est ça, là. Que ça ouais si je vais pas faire mon toit avec ça. Je vais aussi poser mon colorant, voilà. Je vais poser les portes qui me restent aussi au cas où t'en aies besoin, et le verre normalement c'est bon. Ouais, oui. Bon, allez, hein. Go. Go, cacao. Quelques fraises. Là.
Allez. Oh là là. Mais j'en ai plus du tout sur moi. C'est vrai que j'ai tout bouffé. Oh là Oh là. non! Je croyais que c'était toi que j'entendais qui te faisait agresser par des. Mais non, c'est moi! Mais qu'est-ce que vous fichez là, bon sang de pute? Vous m'énervez! Oh. C'est pas mal ce Calypso. Je vais reprendre. Au jardin. Oui, bah, t'es pas obligé de me tirer dessus, hein. Ouais, mais je crois qu'ils prennent un malin plaisir à faire ça, hein, oh tu sais. Je la vois qui est en train de partir en cacahuète. Oui, j'entends ta voix qui te... Oui, oui. Te couvre. Mais j'ai pas mal, hein. Ah. Bon. Je la sens... C'est à cause de Jules, ça. C'est Jules hier soir, il m'a tellement énervé. C'est un peu répétitif, faut dire. Ah ouais, hein, t'as vu ça. Faut reconnaître quand même tu... que, bon, tu comprends ma souffrance. Envie de lui dire. Jules, tu te tais parce que tu me complaires. C'est ça. Là, ça commence à bien faire, Jules. Oui. Mais quand je vous dis qu'il est agaçant, je rigole pas. Hein. Je rigole pas. Il est vraiment insupportable. À chaque fois, je me dis, faudrait que je le règle pour qu'il soit moins bavard, mais en même temps, on aime bien l'engueuler. Si j'ai plus personne à engueuler, bon, c'est qui va prendre? Ben, c'est Clampin. Clampin, il a pas envie que je l'engueule. Même si j'ai des raisons, hein, Clampin. Non, t'es innocent, c'est ça, mon Clampin. Hein? Hop. Tout à fait innocent. Mmh. Bah oui. C'est l'innocence même. Oui. Et ben, on la voit, hein, son auréole sur les lives, de toute façon, avec la part. Attends, je vais quand même sortir mon main 4. Puisque maintenant il y a un frein de ce côté-là. J'ai rien fait. Oui, ça c'est la phrase de Botapic. Fais attention quand même. Hein. Mais c'est vrai que samedi tu étais raisonnable. Tu m'as fait quelques bêtises, mais par rapport à d'habitude, tu étais beaucoup plus sage. Malheureusement. Allez, c'est reparti, mon kiki. Hop, hop. Oui, j'en ai fait beaucoup trop, mais c'est pas grave.
Ok. Il va quand même falloir que je mette de la lumière dans les appartements. Parce que là, s'ils me pètent tous les creepers, je vais pas être contente. Ah. Ouais. Ouais. T'as raison. Ouais, ouais, ouais. Et tout à l'heure, t'as quand même été bien enquiquinée dans la cave, donc... Ouais, ouais. Bon. On va faire ça. Finir le tour du mur, après ce sera toi. Effectivement, ouais, je vais tout allumer. Bonjour la squelette. Vous occupez pas de moi, hein, s'il vous plaît. Ah, oh, j'en ai déjà plus. Cacao, cacao. Attends, hop. Ben allez, hein, on va mettre de la lumière là-dedans. Ça prête. Ah, merci. Non, bah c'est bon. C'est vrai que de plus avoir besoin de mettre autant de torches qu'avant, ça change quand même la vie. J'avoue. Hop. Est-ce ok. Que je séparerais pas avec une gouttière. Ça marche pas très bien les gouttières. Ouais, c'est spécial. Bah, c'est... T'as vu. Bah oui. Balou. Ouais. Je vais faire du béton marron, je vais faire mon toit en béton marron. Allez, allez! Ah, oh, je suis toujours aussi mal du genou. Hein. Un peu technique, ça va bien, ouais. C'est quoi ces manières? Ah, le technique et Jules, c'est la même école. Hein. Est-ce que j'ai besoin de plus? Peut-être. Oh. Ah, ça grou-grou, ça va se transformer en noyer, il faudra que je sorte ma poêle. Tu prends pas mes blocs, hein. C'est mes miens. Voilà, belle maman est partie. Eh ben voilà. C'est à moi ça. C'est toi moi. Où il est à moi? À mon avis, ça me suffira pas. On va essayer, mais. Attends, c'est pas possible. Il n'y a vraiment pas d'autres qui flottent là? Il me semble que j'ai pas tout récupéré, c'est fou.
Ah, il y en a un là. Alors, est-ce qu'il me restait des échafaudages? Oui, quand même. Qu'est-ce que j'ai au genou? Et voilà. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait de mes steaks là? Ça n'en était pas. Je n'avais pas fait tout à l'heure par erreur. Non. N'avais pas fait, puis tu les as pas utilisés pour ces escaliers. J'avais pas le souvenir d'avoir utilisé tout ce que j'avais fait. Attends. Je vais aller regarder. Je me suis embrouillée entre le concrète et la terracotta. Non, pas. À moins que j'ai. Quand j'ai mis ce clic tout à l'heure dans les drawers, je l'ai foutu dedans. C'est possible. Saute, mon Dieu. J'ai l'impression que ma souris elle commence à déconner quand même. Mince, Ouais. ça fait tort. Bah, tu sais, j'utilise le clic molette pour sauter. Ah oui. Et m'habituer à une autre touche, ça va pas être possible. Moi, je me suis mis sneak sur E, avancer sur Z Ah oui, parce que et moi je sauter joue. sur A. Je peux pas faire ça parce que moi je joue avec les flèches. Et Ah coucou oui. Warlock! Donc. Il faut quand même que ce soit une touche, même si je change, il faudrait que ce soit une touche proche. Et le 0, moi c'est sneak, le contrôle pour aller plus vite, puis le shift, bah, c'est le shift. Donc ouais, c'est pour ça que le clic molette c'est le plus pratique pour moi. Bah c'est pas grave, on achètera une souris, hein. Comment ça va, mon Warlook? Bonjour Warlook. J'ai joué des années avec les flèches et un jour je galérais trop avec mes touches. Je me suis forcé à apprendre à jouer à la main gauche.
pour avancer, et main droite à la souris, un peu pénible au début, mais ça se fait bien. Mais je joue à la main gauche avec les flèches. J'ai la souris dans la main droite, la main gauche sur les flèches, et voilà. Alors j'ai la main légèrement cassée pour être sur les flèches, quoi, mais ça va. Mais ça va, ouais, donc ça va. Hein. Mais oh, ça fait tellement longtemps que je joue avec les flèches. Depuis que j'ai eu un ordinateur dans les mains, je suis aux flèches. Donc depuis que j'ai 13 ans. Donc ça fait très 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 longtemps. Donc, je vais faire ça. Je fais les contours et puis comme ça après je suis tranquille pour faire au milieu. Oui, j'ai vu ton dragon, il est très beau. Le plus dur est fait, le plus compliqué c'est de diriger la main gauche. Non, c'est, enfin, je sais pas moi le. Ça me semble tellement pas instinctif de jouer avec le QZSD que. Puis je crois que sur mon Amstrad, t'avais pas le choix, t'étais obligé de jouer avec les flèches. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pris cette habitude. Ça, le toit ne sera pas spawnable puisque c'est une dalle basse. C'est pas beaucoup, il va falloir que je retourne en fer, hein. Même du béton, j'en ai plus assez. Je sais pas doser les blocs, ça c'est comme les pattes, je sais pas faire. Aussi avec les flèches et pavés numériques, ça depuis le début que j'ai un PC. Ouais, bah écoute, bah, c'est comme moi, voir Loki. Hein. On s'est habitué comme ça parce qu'avant nos PC devaient être comme ça. D'ailleurs, ça s'appelait pas un PC. Ça s'appelait un CPC. Un petit 6128. Je reviens. Oui. Oui. Normal qu'il ait besoin de décharger aussi. Ouais. Allez, me tais. Et re tout le monde.
contre, on n'a pas de tête, on a des jambes. C'est donc, ça. C'est reparti, mon kiki. Est-ce que j'ai beau avoir plein de trucs dans les sacs à dos, eh ben, j'ai pas encore assez. En fait, il faudrait que j'aille la salle des coffres de Balou juste à côté de moi. Oui. Bah, écoute. Bon, voilà. Ou une sac à dos de poche, quoi. Enfin, une salle des coffres de poche. C'est ça, voilà. Toujours ça, c'est... Aïe! Mais vous n'avez pas le droit de me tirer dessus. Non. Non, non, vous n'avez pas le droit. Ça a été décidé à la dernière réunion. Hé hein. Hey. Alors, j'en étais où? Là, c'est fait. Bah, j'ai l'impression qu'il est pas au courant, ouais. C'est quand même embêtant. Communication qui fonctionne mal. C'est ça. Bah, en même temps, il a pas d'oreille. Il a pas d'œil non plus. Enfin, c'est vrai. C'est pas évident, hein. Tout le monde chercher. Quoique non, j'en ai peut-être assez. Donc... Oh là là là. Hop. Tac. Allez, c'est parti. On y retourne. J'ai une fenêtre ouverte et même pas. Je peux même pas me jeter par la fenêtre. Où c'est que je me mets? Là, c'est bien. Hop. Je comprends pas comment j'arrive à en louper. Ah. On va les mettre debout, c'est celle-ci. Oh. Ah. Non. Oula, attention, Calypso s'énerve. Poussez-vous de devant. C'est agaçant, on peut pas les mettre debout. Oh. Si, c'est à qui tu veux mettre debout? Les gouttières. Ah, les gouttières. Je crois que Balou s'était aussi acharné à essayer de le faire. Il n'avait pas réussi non plus, donc. Je crois pas que ce soit. Le mode a peut-être pas été bien fini ou bien expliqué. Enfin, ah, mais en fait, t'as des. Pour la descente? Oui. En fait, t'as des descentes, hein? Oui. C'est juste pas les mêmes. Ah, bah non, tu peux pas. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, t'es sur Bedrock. Nous, on est sur Java. Donc, ça va pas être possible. Et puis, en plus, c'est un serveur privé. C'est que mes copains qui sont invités. Voilà, mais sinon, bienvenue à toi et bonjour. Ouais, en fait, je crois que c'était le problème de les lier. Il voulait vous les enlever parce que là, tu vois, je viens de l'éclater et bah, elle a disparu. C'est agaçant. Je vais vérifier, c'est pas moi qui l'ai. Non, 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 ça c'est bizarre. T'as pas un sac à dos à Valtou ici? Alors, attends, vérifions si j'ai mon sac à dos qui n'a Valtou. Normalement, j'ai pas mis mon magnète. Non, non. Ah.
Alors, donc, du coup... Oui, mais alors... Ça va tomber plus sur la barrière, ça va pas le faire, ça. Hop. C'était où? C'était... Bon, il y a là, en fait. Il y en a 6 qui ont réussi à s'échapper de ma pioche. Alors, c'est incroyable, ça. Yes. Quel est l'outil qui va faire qu'on va pouvoir les enlever, ce truc-là? C'est pas possible, ça. Bah, il te le dit, normalement. Ah, attends. Alors, quand tu te positionnes dessus, oui. Il doit te dire quel outil le casse. Attends. C'est Jade qui te dit ça. Alors, attends. J'arrive. Ah ouais, bah là, rien du tout. Il dit rien du tout. Donc, peut-être à la main. Ah oui, j'ai pas essayé à la main. J'ai essayé avec les outils, du coup, ça s'est brisé. Non. Oh, c'est bizarre, parce que ça, c'est... Non, disparaît. C'est Mako, donc ça devrait pas... Ouais. Ouais, c'est bizarre. Bon. Parce qu'on a le problème avec supplémentarise, là, je sais plus quel bloc ouais. Nous font ça. Mais c'est les chaînes en... Les grosses chaînes, là, ouais. Ouais, les grosses. Je suis étonnée qu'avec Mako, il y ait ce souci. Bon, donc, ouais, j'ai deux, trois trucs à regarder. Il faut aussi que je regarde l'histoire des... C'est pas, des os de Wither squelette. C'est pas un truc non, indispensable, mais... c'était juste. Voilà, c'est parce que je voulais mettre ma gouttière là. Ouais, tu veux ta gouttière là. Flûte, voilà, flûte. On a des exigences, c'est normal. Hein. Ah, c'est tout, hein. Et où je vais pas en avancer, va falloir que j'y retourne. Ah, je vous ai dit que je savais pas doser les pattes. Il m'en manque pas beaucoup, hein. 4, 6, 8. Bon, alors la sortie, c'est par là. Oui. Bon, et ben, je suis même pas sûre que j'ai assez de blocs sur moi. Ça m'énerve. Si tu veux, éclair. Hop, alors. Mais en même temps, les blocs, ils se font la malle. Alors, forcément, il y a un petit peu de courant dans la rivière. Faut faire attention. Hein. Il m'en manque un. Où c'est qu'il est ? Là-bas. Flèche, c'est... Bon. On va voir, hein. Alors, c'était où? C'est pas là. Voilà, c'est fini. Enfin. Non, je suis pas dans un trou. Mais 10 ans, bah t'as pink. Bon. L'immeuble est construit. C'est déjà ça. Non. Ah, t'as été plus vite que moi. Hein. J'essaye de faire une malheureuse petite maison et je m'en sors pas. Pardon. Mais là, quoi ? Tu fais quoi, là, toi ? Ben, je me balade. Un creeper, je parlais, t'inquiète. Ah bon ? Oui. Creeper, je vais poser, se balader par là. Oh, il est là. Bonjour, monsieur. Allez, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, vilain. Retourne dans la forêt. Non, la forêt. Non, mais pas par là.
La forêt, c'est... Oh ! Non ! La forêt, c'est là-bas ! Mais il veut pas ! C'est dingue ! Il veut absolument pas aller dans la forêt. Je vais être obligée de te tuer, hein. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Est-ce que j'ai encore des panales sur moi? Bien sûr que non, quoi faire. Et ben on va en faire, hein. Ici. Le concierge. Hop. Ah. Ah oui, puis il y a les caves aussi. Bon, ça, il n'y a pas encore trop d'urgence. Là. Un peu de place dans mon sac à dos. Je crois bien. Non, j'ai tout posé ça. Sortir mon panneau ici. Non, je sais pas, j'ai pas le... On sait pas. Je viens juste de m'en apercevoir de la phrase de Clampin. Bah là, c'est bon. D'accord. C'est reparti. Bah c'est bon. Je pense que j'ai mis clic sur un bouton de ma souris. Merci les raccourcis OBS. Bah ouais. Faudrait peut-être que je fasse attention. Ouais, ouais, j'ai mis ce clic sur, sur ma souris. Et ça fait longtemps. Les pauvres. Les pauvres, en plus, je m'en aperçois que maintenant, en plus. Ben, bah, je pense que ça ne doit pas faire très longtemps, parce que je regarde quand même mon chat régulièrement. Ouais. Une minute, ouais, d'accord. Ah bah, je suis désolée. Je suis désolée, les gens. Si. Tout le monde n'est pas parti. Aïe aïe aïe. Attends, je réfléchis comment j'ai pu miscliquer à ce point. Parce que c'est pas les boutons sur ma souris qui arrêtent le live. Qu'est-ce que j'ai fait comme bordel? Bon, bah, va savoir. Comme que je fasse gaffe, quoi, du coup. Ah oui, je suis bête. Bon, alors, du coup, j'en étais où dans ma tête? Ouais, j'étais en train de me dire qu'il faudrait quand même que j'abatte des arbres encore par là. En tout cas, merci Clampin, parce que je m'en serais pas rendu compte, moi. Rires.
Non, non, mais j'ai dû appuyer sur le bouton de raccourci pour stopper le live, quoi, je pense. Pourquoi? Je galère depuis hier à mettre les boutons de raccourci pour OBS parce que quand je suis en live sur ETS, c'est trop pénible quoi de quitter l'écran ETS pour aller sur l'écran d'OBS. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place les raccourcis. Au final, je fais des bêtises. Même hier, j'en ai fait des bêtises sur le live d'ETS. J'ai coupé le live, je comprenais pas pourquoi Karen me répondait pas. Après, j'ai changé de scène. Enfin, l'embrouille dans les doigts, quoi. Ouais, donc tu fais vraiment la vente des maisons, de l'autre côté, toi. Ah oui, alors toi t'as fait... Bah ouais, moi la route... C'est de Oui. ce côté. Tu vois, j'ai mis un panneau rue. Et là, c'est Oui. vraiment l'arrière de l'immeuble. Bah, ça me semble plus logique par rapport à la voie. Mais c'est pas logique à moi. C'est très Oui, moi personnel. aussi, mais l'avant de ma maison est par là. Ouais, je vois pas de porte. Bah si, viens voir. Bah Ah non. non, tu m'as bien dit que tu faisais l'avant par là. Non. Du côté de la voie. Non. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Bah Ah, c'est pas grave, tu rajoutes une tout m'a porte. Est-ce que c'est très grave? fait. Non, pas grave du tout. Parce Du tout. que si c'est ton côté jardin, c'est pas un souci. Ouais, ça va. Ça gêne pas en fait. T'as un petit jardin à l'arrière, mais du coup tu... Ouais, tu mets des portails et puis là tu fais un chemin, un petit chemin, c'est tout. Qui va rejoindre le chemin de l'immeuble. C'est pas problématique en fait. C'est jusque là. En fait, ça change juste que là, c'est un chemin. Et de l'autre côté, on va Ça bétonner, quoi. fera... Oui, d'accord. Ok. Très bien. Bah, en fait, Cara, ce qui s'est passé, toi, t'as dû avoir un petit souci. Et puis moi, j'ai eu mon souci de doigt. Voilà. On a eu un petit souci en même temps. Voilà. Je vais essayer de faire attention, quand même. Soit ça, soit il faudra encore que je change mes raccourcis, mais il reste plus beaucoup de touches qui soient pas utilisées et sur ETS ou sur Minecraft, tu vois. C'est ça le problème. On n'a pas assez de touches sur un clavier. Papa, il va me dire, t'as qu'à t'acheter un Stream Deck. C'est vrai. Un jour. Ça viendra. Mais oui. Oh, je suis pas pressée, hein. Ah, faut surtout les sous, non? C'est pas donné un stream deck, j'imagine. Ben ouais, je crois que c'est pas donné, hein. Voilà. Donc bon. Voir le faire, hein. C'est ça. Comme je disais, ma priorité, c'est le PC. Toucher à Bon. tes priorités, hein. Donc du coup, ici la rue. Alors, attends, Moi, je pense que j'ai j'ai mes assez portes dégagé de de ce ce côté. Oh, côté-là. il y a ça qui... Qu'est-ce que c'est que cet arbre moche? Paf. Oh, il y a de la grotte là-dessous. Hein. Oh, ça grougrou. Hein. Ils sont tout collés-collés, Ouais. les arbres. À mon avis, il va falloir aller éclairer parce que ça va être désagréable d'entendre tout le temps. Enfin, moi, ça veut. Tu as des équivalents au Stream Deck sur téléphone aussi. Ouais. Faudrait que je regarde. C'est vrai que ça peut être une solution alternative. Est-ce que c'est vraiment pratique? Ah, il faudrait que je regarde. Pourquoi pas? Et du coup, là, c'est l'arrière. Donc, il y aura des jeux d'enfants, des trucs comme ça, à la limite. Un petit parc. À côté des vaches. Ça, on peut le faire. On peut le faire. Donc je garde ces ouvertures-là pour faire des portes-fenêtres. Voilà.
tête de lama, tu vas m'embêter. Alors maintenant. Paf. Harry Potter. Regarde, Croca, elle a deux tablettes qui font Stream Deck. Bon, prêt. Donc, hop, on fait ça comme ça. Hop, un parc. Là, je vais mettre des arbres custom. Lettres et des portillons et. Bon, j'en reviens. Le problème de ça, c'est ça. Oui, mais oui, c'est une solution, il faudra que je regarde. Après, j'ai aucune idée de comment marche le truc. Donc. Ah. Qu'est-ce que j'ai un poids ? Voici, j'ai un peu de hook. Dark. Voilà. C'est de faire des arbres façon mat. Non, pas comme ça. Là, je vais y arriver. Plus beaucoup d'échafaudage, bon, il faut absolument que je m'en refasse. Parce que la prochaine virée dans le Nether, on va se retrouver pas bien. Mais je m'agace.
Réfléchis. Rassemble tes neurones. Voilà. Hop. Voilà. Ça. N'atteint pas. Voilà. Oui. Hop. Celle-là. Est-ce grave? Non. Comme ça. Ensuite, le feuillage. Laisse-moi monter. Vraiment? Fou. Finalement, je monte en feuille. Allez. Apprends à viser. Voilà. Merci pour le dodo, Calypso. Bien. Alors, les whippons, Super. Oh là là, ce cassage de figure. Mémorable. Ça prend de forme, c'était sympa. Je ne veux pas, moi, ma maison belle, mais le fait que ça se meuble. Oui, ça se meuble. Ça fait chouette. Ah bah oui, c'est sympa. Hein. Mm. Ben, c'est comme je te disais tout à l'heure, ça anime, c'est cool. Ouais, tout à fait. Ah, ça c'est cool. Alors, j'ai fait des petits portails pour l'arrière des jardins là. Ouais. Et je les ai fait en. J'avais fait de la brique blanche pour faire les petits murets. Ouais. Et je les ai. Il n'y a pas de portail, de petits portillons en white brique. Ouais, bah non. Donc je les ai fait en fait en diorite. Ça va ? Ça se marie bien avec. Ça se fond. En fait, t'as l'impression que t'es. Ouais. Ça fait partie du truc quoi. Non, je suis contente. Ah bah écoute, c'est le principal. C'est moi passé. Là. Hop. Ensuite là. Oh. Super.
quand il n'y en a plus. Il y en a encore. J'en suis là. Non. Ok. Ouais, c'est bon. Ça, ça, voilà. Oups. Allez. Je suis bien là, je crois, non? Attends, faut que je regarde d'en bas. Voilà, comme ça. C'est un arbre, hein. Des fois les arbres c'est bizarre. Ah oui, avec le fer là. Oui. Ouais, ouais. Oui, bah ça va bien. Alors après là par contre les portes vitrées sont en dark oak et les fenêtres sont en dark oak. Et c'est pas la même c'est couleur. C'est pas la même couleur. Bon. Bien. Ouais. Pas grave. Bizarre. Avec un. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas bien méchant, hein. Non. Et là, c'est le Dark Oak Bark. D'accord. La différence de loin, oui. La différence, c'est. Enfin, je sais pas si toi tu la vois, mais moi je la vois oui, pas. Oui, mais c'est pas grave. Il y en a un qui a l'azuré, l'autre il a, voilà, il a fait autre et chose. Puis l'autre, voilà. Écoute. Non, il aura changé ses fenêtres et puis l'autre. Ouais, il a pas tout fait. Bah écoute, voilà, c'est pas grave. C'est bien qu'il y ait des différences comme ça, justement. Par contre, il faudrait que je les mette à l'intérieur, ça serait mieux. Oh, c'est très bien. C'est bien sympa, Calypso. C'est vrai que c'est pas des maisons qui sont censées être esthétiques. C'était des maisons qui étaient censées ouais. être pratiques, utilisables rapidement, facilement construisables et utilisables rapidement par ceux qui en avaient besoin. Donc effectivement, oui, c'est pas forcément le plus... On monte en terre et puis c'est tout. Voilà. Hop. Voilà. Et je reste dans ce que je connais, quoi. C'est ça le truc. Pour l'instant, je sais pas encore faire autrement que ce que j'ai déjà vu ou déjà observé. Ouais, bah on va essayer de te forcer et puis voilà. C'est tout, hein. Bah ouais, tu sais, comme comme quand t'es en cours de dessin et puis que t'as un thème imposé, et puis faut sortir quelque chose et puis c'est tout. Hop. Voilà, bah je pense que ouais, voilà. À côté, je ferai un immeuble un peu plus plus grand. Un peu plus HLM
ce qu'on peut voir au bord des routes, quoi. La déco intérieure de l'immeuble à faire. Ça, par contre. Oh, on n'est pas pressé, on va prendre notre temps. Tout va bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a quand même pas à devoir à rendre à la fin de non, la... non, non, non. La... vous devez avoir fini. Non, non, non. Non, pas. Non, on se presse pas. On fait comme on veut, on prend notre temps et puis voilà. Hop. Ah, je vais pas mettre de volets. Hein. On n'a pas des volets roulants dans le modpack. Il y a les portes de garage par contre. Oui. Et je trouve que. Et Gilles en a fait. Ouais, elle l'a bien utilisée. Très ouais. Sympa. Oui, oui, c'est oui, vrai. Oui. Oh, t'as de la hauteur, hein, en fait. Ah bah j'ai la hauteur de faire un étage en fait, c'est fait pour, hein. Là l'étage, je vais faire un escalier, il sera là. Alors évidemment ce sera des chambres sous les toits, mais... Enfin des chambres, ou une chambre sous les toits, mais oui, bah, c'est des petites maisons, hein. Pas des grandes maisons, mais... De l'extérieur ça fait massif. En fait c'est quand même deux maisons à l'intérieur. Hein. Ouais, très bien. Des maisons mitoyennes, en fait. C'est ça. Avec un toit commun. Il manque peut-être de relief, quoi. C'est tout. Alors... Comment mettre du relief. À part tu peux mettre des volets, hein. Toi, tu peux mettre des volets, quoi. Ouais. Par exemple. Ah bah oui. Ouais. Ça, tu peux le faire. Mettre des volets... Des volets, des trucs, tu peux mettre aussi sur un mur le treillis, là, qu'on a. Ça permet d'habiller aussi. Ouais. Après, ça va être des pots de fleurs, de la déco extérieure hein, qui va habiller. Bon, et bien voilà. Ben, moi, je vais vous laisser. Je vais arrêter le live là. Je pense qu'on a bien bossé quand même avec Calypso. Hein. Oui. Toutes les deux. Je suis même pas venue voir. Attends, faut que je vienne voir ton immeuble. Tu l'as déjà montré à tes viewers. C'est un simple immeuble, hein. Ah, je l'ai pas vu. Oh, c'est une jolie entrée très verdoyante. Oh, c'est joli. Ouais, bah oui, parce que comme je disais, je pense qu'il va y avoir un parc pour enfants, tu vois. Ouais. Ça va être chouette. On va voir ça. Il y a là-bas, au bout, je mettrai un pont. Être sympa. Et puis là, tu es du côté rue, donc il devrait y avoir des boîtes aux lettres ici. Il va falloir symboliser ça, je sais pas trop comment, on verra. Voilà. Et là, une grande rue. Enfin, une grande rue. Une rue, quoi. Ça va bétonner. Donc, mais ça fait pas beaucoup d'appartements. Ça, c'est la cave. Bah, c'est pas un très grand immeuble. Non, c'est ce que je disais. Pour commencer, j'ai fait un petit. Ouais. Ça fait un appart. Ça fait trois appartements en fait. Non. Non, deux, six. T'en as deux à chaque étage. En bas, il y en a qu'un. D'accord. Bah, écoute, déjà, c'est pas mal. Hein. Sur un immeuble à trois étages. Voilà. Bien. Hein. Ben forcément dans Minecraft dès que tu veux faire beaucoup d'appartements ça prend une place folle au sol. Hein. Ouais. Moi je trouve que c'est très bien.
Pas très bien. Donc voilà. Alors tu trouves une idée pour des rambardes là? Ouais, ouais, ouais. Bah je pense que je mettrai des petits murets, tu sais les... Ouais. On a du choix en muret, en panel, tout ça. Oui, ça c'est vrai que c'est... Oh, même un concierge qui se balade ici. Madame la vache, non, hein. T'es pas censée être là. Bah ouais, monsieur. Oh bah voilà. Non, les appartements sont déjà levés. Empêcher d'arrêter ton live, du coup, pardon. Bah c'est eux, là. Ils viennent faire les foufous. Voilà. Et eh ben moi, je vais vous faire des bisous. On va quand même regarder... Attends, je vais me mettre à l'abri pour faire ça, quand même. Histoire de pas avoir de soucis. J'ai bien fermé en bas. Ouais, c'est bon. En bas, c'est fermé. Il y a Z. Eh ben voilà. On va faire un petit raid à Z. Hop. Eh ben je vous fais des bisous. Et je vous dis... Bah, demain matin, c'est un petit live pour Clampin. Et nous, on se retrouve demain soir. On sera sur Tanaisie aussi, normalement. À moins que je change d'avis d'ici là, mais ça m'étonnerait. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis des bisous à Red, surtout. À Z, surtout. Allez. On envoie.